Bonjour à tous, c'est Maxime. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un plan de Robin Ford. Alors il n'y a pas si longtemps, je regardais une vidéo de Robin Ford qui jouait, je crois, au New Morning. Et sur le titre qui s'intitule Help the Poor, qui figure à l'origine sur l'album Talk to Your Daughter, il joue un plan vraiment très intéressant, pas si compliqué que ça, mais qui va nous amener à réfléchir à ce qu'on peut jouer sur un accord mineur 7. Alors le plan en question, le voici, je vais vous le jouer sur un backing track que j'ai fait moi-même dans le style du morceau en question. Alors pourquoi ce plan est intéressant et pourquoi vous devez le travailler, l'intégrer à votre vocabulaire et aussi exploiter le concept qu'il y a derrière. Ce plan, comme je vous l'ai dit, il va nous amener à nous poser la question de savoir qu'est-ce que l'on peut jouer sur un accord mineur 7. Alors ici, on est donc sur un accord mineur 7, on est dans la tonalité de Ré mineur, et on va voir que c'est voilà, un Ré mineur un peu large, mais grosso modo, ce qu'on a sur ce début de chanson, on est sur un accord de Ré mineur 7, et on va voir comment Robin Ford navigue dans ce Ré mineur avec toutes les options qu'on a à notre disposition. Alors ce plan, on va le décortiquer ensemble, je vais vous afficher la partition à l'écran. Alors pour rappel, vous pouvez trouver la tablature sur le site internet moderneguitaronline.com dans la section ressources gratuites. Vous vous inscrivez aux ressources gratuites et vous avez accès à toutes les ressources gratuites du site et toutes les ressources qui accompagnent toutes les vidéos YouTube de la chaîne. Donc je vais mettre mon casque pour entendre un petit peu ce que je joue et pas faire de bêtises. Donc, comme je vous l'ai dit, ici on est en Ré mineur. Voilà, c'est une tourne sur un Ré mineur 7, pas de soucis, pas de problème. Ce qu'on a à notre disposition, évidemment, ce à quoi on pense directement, c'est la gamme mineure pentatonique sur Ré. Et c'est évidemment ce dont il va se servir, mais pas que, et on va voir ça tout de suite. Alors le début de ce plan, il est assez simple. Voilà, c'est ça, on est sur la case numéro 10, on part de la quinte, quinte, fondamentale, quinte, on retourne à la fondamentale, on va sur la seconde ou neuvième, donc là c'est déjà une information intéressante, c'est-à-dire que notre seconde, slash neuvième, elle ne fait pas directement partie de notre gamme pentatonique mineur sur Ré. Hein, on a fondamental, tierce mineur, quarte juste, quinte juste, septième mineur. Donc la première information qu'il faut tirer de ça, c'est que on peut ajouter une note supplémentaire à notre gamme pentatonique, en l'occurrence la neuvième, pour enrichir un petit peu sa couleur. Dans ce cas-là, on aura ça. Voilà, ça c'est un bon moyen justement d'enrichir cette gamme, juste d'avoir une couleur différente, juste en rajoutant la seconde. Donc c'est ce qu'il fait ici. Voilà, il tire ensuite de la seconde à la tierce mineure pour revenir sur la seconde. Et là, on va avoir ce plan. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, on entend tout de suite qu'on n'est plus dans la gamme pentatonique. On est ailleurs, on est dans une autre couleur. On peut dire ici qu'on joue un peu out, mais on va voir que c'est pas si out que ça par rapport au contexte harmonique.
qu'est-ce qu'il fait ici, pourquoi ça fonctionne. En fait, ce qu'il va jouer, ça va être tout simplement la gamme mineure harmonique. Voilà. Gamme mineure harmonique. Donc, si vous ne connaissez pas votre gamme mineure harmonique, pour rappel, c'est une gamme donc mineure avec fondamentale, seconde, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième majeure. Voilà. Et la caractéristique de cette gamme, c'est cet intervalle d'un ton et demi entre la sixte mineure et la septième majeure. Voilà. Qui donne aussi un côté oriental qui est souvent très utilisé dans ce sens-là. Mais ici, on ressent un peu moins le contexte, le côté oriental, de par le contexte harmonique dans lequel ça s'inscrit. Mais on entend quand même ces couleurs-là. Donc c'est ce qui joue ici, et voilà. Et vous allez me dire peut-être, attends une minute, parce que tu nous as dit qu'il y avait, on était sur un accord de Ré mineur 7, hein. Donc un accord de Ré mineur 7, ça veut dire que ma septième, elle est mineure, hein. J'ai bien Ré, Fa, La et Do. Et là, on nous dit qu'on peut jouer la septième majeure de la gamme mineure harmonique. Et on peut la jouer, eh bien, dans un contexte de Ré mineur 7. Donc évidemment que ça va, la septième majeure va un peu clasher avec la septième, la septième majeure, oui, va un peu clasher avec la septième mineure de l'accord, mais dans ce contexte là c'est pas grave, justement on recherche ce type de sonorité pour créer un peu de tension. Donc si je reprends cette première partie de ce plan, voilà, donc on est vraiment au départ dans un truc vraiment très, très simple, très, très classique et très, très dedans, très in. Et ensuite, on vient juste jouer la gamme mineure harmonique pour donner une autre couleur. Voilà. Et tout de suite, après, on revient. Là, on termine sur la quarte juste, hein, qui est le sol. Et ensuite, on va passer à la seconde partie de ce plan. Donc, je vais vous l'afficher ici. Voilà. Et la seconde partie de ce plan, alors, tout d'abord, notez niveau du point de vue débit rythmique. Première partie du plan, on est sur des croches. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et... On est vraiment sur des croches. La seconde partie de ce plan, on va être sur des triolets de croches. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pa, 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 pa. Donc ça, c'est la première information de ce plan, et qui est aussi une très bonne information à retenir pour vos improvisations. Variez les débits rythmiques. Si vous êtes sur un débit de croche, vous pouvez passer ensuite sur un débit de triolet de croche, ou sur un débit de double croche, sur un débit, je sais pas, de sextolet, etc. Variez un maximum les débits rythmiques de vos improvisations. C'est ça aussi qui va créer le renouveau et la tension. Enfin, renouveler la tension de votre auditeur. Donc la deuxième partie de ce plan, c'est ça. Pardon si je le fais justement pas en croche, mais en triolet. Voilà, ça va être ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, j'ai parlé du débit rythmique, on va parler des notes. Mais on se retrouve un peu comme au début sur une gamme pentatonique mineure agrémentée de la neuvième ou la seconde majeure. On part du Fa, on part de la tierce mineure, donc on est toujours, je rappelle, sur Ré mineur 7. On part du Fa, ici on va sur le Mi, donc Fa, Mi, ensuite Ré, Do, La et Sol. On va faire un démanché grâce au slide. Donc quand on arrive ici sur le La, sur l'accord de Ré, 7e case, on glisse sur la 5e case. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Rien d'extraordinaire, et c'est même tout bête, c'est-à-dire qu'on va répéter le premier motif, mais à l'octave inférieure. Quand j'arrive ici avec mon annulaire sur le sol, corde de Ré à la 5e case, bien je me retrouve ici au Fa et je vais faire exactement le même motif. Alors je vais utiliser, je ne sais pas moi qui utilise, c'est Robin Thorne qui utilise ça, mais on va utiliser la corde à vide de Ré. Donc Fa, Mi, je fais un pull-off. Je fais un pull-off pour avoir la corde à vide de Ré, ce qui va me permettre d'avoir un peu plus de temps pour récupérer le Do, Là, et je vais glisser sur le Sol. Donc, cette seconde partie de ce plan se décompose en deux. C'est un motif et sa répétition à l'octave inférieure. C'est tout simple. Donc, autre technique à utiliser et à intégrer dans son jeu, ça va être ça. Prenez un motif et ensuite enchaînez-le à sa répétition, mais à l'octave inférieure. Ou on peut faire l'inverse, on prend un motif et on va le répéter à l'octave supérieure. On peut le répéter comme ça plusieurs fois. Donc c'est un bon moyen, une bonne technique à connaître et à intégrer à ses improvisations. Donc si je rejoue l'ensemble, ça part d'ici. Si je récapitule un peu ce qu'on a vu dans ce plan et ce qu'on peut en tirer, les concepts qu'on peut tirer derrière. Parce que c'est, encore une fois, c'est très important de pas seulement choper un plan, le relever, l'apprendre et le jouer, mais c'est aussi très important de voir, de reconnaître les concepts, en tout cas de comprendre les concepts qu'il y a derrière et se les réapproprier. Donc, je récapitule, on a quoi? On a dans ce plan, tout simplement, variation du débit rythmique. La première partie du plan, on est sur un débit de croche. La seconde partie du plan, on est sur un débit de triolet de croche. Donc, varier les débits rythmiques. Ensuite, on a la gamme mineure pentatonique agrémentée de la neuvième, une seconde majeure. Donc ce que vous pouvez faire, ce qui passe très bien dans un contexte mineur, quand vous êtes sur un accord mineur 7 comme ça, vous prenez votre gamme mineure penta et vous lui rajoutez la neuvième. Donc ça, voilà, à travailler, prenez toutes les positions de la gamme penta que vous connaissez et à chaque fois, regardez où se trouve la neuvième et essayez de l'intégrer dans votre jeu. Donc ça va vous donner une autre couleur. Et enfin, troisième chose, quand vous êtes comme ça dans un contexte harmonique où vous avez en boucle un accord mineur 7, eh bien vous avez à votre disposition toutes les palettes un petit peu de la couleur mineure. Donc ça inclut la gamme mineure penta,
Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres gammes mineures, et en l'occurrence, c'est ce que Robin Ford a fait en utilisant la gamme mineure harmonique, mais on aurait pu tout aussi bien utiliser la gamme mineure mélodique, pourquoi pas. On peut même se risquer à jouer phrygien dessus, pourquoi pas, hein, pour donner la couleur de la seconde mineure. Donc amusez-vous avec ça, ne pensez pas parce qu'on est sur un accord mineur 7 avec une septième mineure que ça vous interdit de jouer une septième majeure. Alors évidemment, dans votre improvisation, on ne va pas s'attarder sur cette septième majeure, hein, parce que là ça va du coup vraiment clasher avec la septième mineure. Et encore, je pense qu'on pourrait, le faire si... Si c'est vraiment l'intention d'obtenir ce conflit entre ces deux notes, ça peut être un effet aussi, hein. Mais en tout cas, dans un premier temps, essayez de faire passer cette septième mineure, cette septième majeure, assez rapidement, et de retomber sur vos pattes sur une note de l'accord. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire et le tour de ce plan. Donc je vous rappelle, si vous voulez avoir accès à la tablature et à la backing track qui accompagne cette vidéo, vous allez sur le site moderneguitaronline.com, dans l'onglet ressources gratuites, vous vous inscrivez à ces ressources gratuites et ensuite, eh bien, vous téléchargez la tablature et le backing track. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour aussi du côté de Facebook et du côté d'Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.